Ton bébé se réveille la nuit et tu n'arrives pas à savoir pourquoi. D'accord, tu as déjà lu pas mal de choses sur le sujet, tu as vu que les régressions du sommeil peuvent totalement provoquer des réveils nocturnes, tu as vu que lorsque bébé est en train d'acquérir de nouvelles compétences, c'est aussi quelque chose qui peut provoquer des réveils nocturnes. Tu as aussi entendu parler de la fameuse angoisse de la séparation, mais problème, tu as l'impression qu'en fait, c'est pas ça. Que ton bébé se réveille la nuit pour une autre raison. Tu sais pas encore pourquoi, mais t'as l'impression que c'est pas ça. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 7 raisons atypiques pour lesquelles ton bébé se réveille potentiellement la nuit. Mais avant de commencer, sache que je suis Elodie, je suis la créatrice de cette chaîne Even et moi et de la Cool Baby Academy. Je poste toutes les semaines des vidéos pour t'aider à créer un quotidien serein et apaisé avec ton bébé. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner avant de continuer. Bon. On y va. Alors la première raison que l'on va voir ensemble, c'est l'inconfort. On n'y pense jamais, mais crois-moi, l'inconfort provoque énormément de réveils nocturnes. Et en fait, quand je te parle d'inconfort, je te parle du fait que bébé n'est pas forcément à l'aise dans son pyjama ou dans sa gigoteuse. Prenons un exemple concret, petite démonstration. Bébé est dans son pyjama, ça, c'est le pied de bébé, d'accord? Donc potentiellement, tu mets son petit pyjama et le pied n'est pas au bout, le pied est ici. Sauf que dans la nuit, eh bien, bébé, il bouge et il va tendre ses jambes. Et quand il va tendre ses jambes, eh bien, il va heurter le bout du pyjama et c'est quelque chose qui potentiellement va le gêner et va le réveiller. Pense-y en fait, imagine-toi justement dans ce type de pyjama où lorsque tu as les jambes potentiellement pliées, ça va, et que dans la nuit, tu vas vouloir t'étirer et tu vas heurter le bout du pyjama. Eh bien ça, c'est quelque chose qui provoque énormément de réveils nocturnes. Et c'est exactement pareil justement si la gigoteuse est trop petite. Donc on veillera toujours, surtout pour les pyjamas, à avoir au moins une taille au-dessus. On veut faire l'exercice en fait. Quand bébé tend son pied, on ne veut pas qu'il touche l'extrémité du pyjama. On veut qu'il puisse être complètement à l'aise. Car crois-moi, on n'y pense pas. Mais l'inconfort provoque énormément de réveils nocturnes. La deuxième raison, c'est tout simplement le lit de bébé n'est pas adapté. Et on pense souvent juste au fait que le lit soit trop petit. Mais on va voir qu'en fait, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Donc oui, certes, le fait que le lit soit trop petit peut provoquer des réveils nocturnes. C'est-à-dire que potentiellement, bébé va se cogner aux parois du lit, notamment pour les petits lits cododo, d'accord, lorsqu'il va se déplacer, et hop, ça va le gêner, il va se réveiller, et du coup, il va avoir du mal à se rendormir tout seul, et il va potentiellement avoir besoin de ton aide. Mais à l'inverse, le fait de passer à un petit bébé qui a encore besoin d'être dans son cocon, dans un lit beaucoup trop grand, va aussi provoquer des réveils nocturnes. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, bébé va un petit peu se déplacer dans son lit et en fait, il va avoir l'impression d'être dans cette espèce d'espace gigantesque, d'accord, sans aucune paroi où il peut tranquillement aller se blottir au chaud, parce que je sais pas si t'as remarqué, on retrouve souvent les bébés dans les coins du lit, d'accord, et en fait, il va se rendre compte que, mon Dieu, c'est trop grand. C'est trop grand, c'est quoi cet énorme vide? Donc le fait que le lit ne soit pas adapté, c'est quelque chose qui peut provoquer des réveils nocturnes. Donc on veillera vraiment à essayer de voir en fait, est-ce que le lit est trop petit? Est-ce que bébé se cogne? Est-ce qu'à chaque fois qu'il se réveille, je le retrouve à un endroit précis du lit? Tu vois, cogné contre une paroi? Ou à l'inverse, est-ce qu'en fait bébé est juste perdu dans ce lit de grand et ben potentiellement il n'était pas encore prêt à passer dans ce lit? Et on va voir en fait comment est-ce qu'on peut ajuster ça pour réduire les réveils nocturnes. La troisième raison un peu atypique pour laquelle ton bébé se réveille potentiellement la nuit, c'est tout simplement la température de la pièce, d'accord? Bébé a peut-être trop chaud ou bébé a peut-être trop froid, d'accord? Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que dans la nuit, les températures chutent, d'accord? Donc une chambre qui pouvait sembler être pile poil juste à la limite lorsqu'on a couché bébé, et bien en fait elle va se refroidir dans la nuit et potentiellement bébé va se mettre à avoir froid et du coup il va se réveiller. Donc on veillera vraiment à ce que bébé en fait ait assez en fait de couches sur lui, d'accord? Donc le body, le pyjama et la gigoteuse notamment en plein hiver, et à l'inverse en été, d'accord? On veillera à ce que bébé soit assez découvert. C'est souvent l'été en fait où la température provoque des réveils nocturnes parce qu'on a toujours peur que bébé ait froid, d'accord? Donc on va toujours se dire, bah, je vais lui mettre une petite couche au cas où si dans la nuit il a froid, et bien justement c'est souvent cette petite couche qui va le réveiller, d'accord? Donc on n'hésitera pas à vraiment vérifier au fait que bébé est assez couvert ou à l'inverse pas trop couvert pour les températures nocturnes. La quatrième raison, c'est toujours l'inconfort, mais cette fois-ci en lien avec le dernier repas qu'a pris bébé, d'accord? Qu'il s'agisse d'un biberon, qu'il s'agisse d'une tétée ou qu'il s'agisse d'un repas solide, ce dernier repas risque de provoquer des réveils nocturnes, en fait. Et souvent, on se rend compte, en fait, que ces réveils nocturnes qui sont en lien avec le fait que bébé, en fait, a du mal à digérer ou tout simplement, surtout pour les petits bébés qui a un rot qui est coincé, ces réveils-là, ils vont avoir lieu en début de nuit, d'accord? Donc souvent, on me dit, Elodie, je comprends pas, à chaque
fois, mon bébé, il se réveille au bout de 45 minutes lorsque je le couche. La piste, en fait, de l'inconfort en lien avec le dernier repas est clairement à creuser. Donc, ce qu'on va vouloir faire, tout simplement, c'est soit avancer l'heure, en fait, du dernier repas, où on va vouloir s'assurer, et là pour les petits bébés, que bébé a vraiment bien fait ses rots avant de se coucher. La cinquième raison un petit peu atypique, c'est tout simplement l'habitude. On n'y pense pas, mais certains bébés se réveillent tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de se réveiller la nuit. Et ça concerne souvent les bébés, je te dirais, entre 7 et 12 mois. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude de se réveiller parce qu'ils avaient faim, d'accord ? Donc un nouveau-né, ça se réveille parce que ça a faim toutes les 2-3 heures, et ça mange tranquillement et ça se rendort. Et bien en fait, il y a des bébés qui ont pris ça comme une habitude. Donc ils se réveillent, ils ont plus forcément faim, tu vois, mais ils se réveillent parce qu'ils ont l'habitude de se réveiller. Et là, si tu te dis, ouais, mais comment est-ce que je fais moi pour savoir si c'est une habitude ou si bébé a faim? Ben, tout simplement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire les quantités de lait ou de réduire le temps de la tétée et de voir, en fait, si bébé, il dit pas trop grand-chose. Tu vois, si, en fait, t'as diminué les quantités de lait, en fait, du biberon, et tu te rends compte que, tiens, il se rendort quand même. Là, ça va commencer à te donner des pistes, en fait, d'accord? Par contre, bien sûr, si bébé pleure, on remplit le biberon et on y retourne, parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur la piste de l'habitude. Mais la piste de l'habitude, elle est clairement à explorer, d'accord? Pour voir, en fait, si est-ce que bébé se réveille par habitude ou est-ce que bébé a vraiment faim. Sixième raison atypique, tout simplement, et on n'y pense pas assez, surtout quand bébé grandit, d'accord? C'est la couche pleine, d'accord? Quand je dis surtout quand bébé grandit, car au début, les premiers mois, on a l'habitude de changer bébé la nuit, d'accord? Il y a tellement de réveil nocturne, en fait, qu'on en profite pour changer la couche. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, on arrête ce changement de couche, d'accord? Et lorsque bébé se réveille la nuit, eh bien, on va tout simplement essayer de le rendormir. Sauf que pour certains bébés, en fait, cette couche, elle va provoquer un tel inconfort qu'ils vont pas réussir à se rendormir, même pire du coup qu'ils vont se réveiller. Donc pour ça, on n'hésitera tout simplement pas à avoir des couches un petit peu plus absorbantes la nuit, d'accord? C'est pour cette raison qu'il y a des couches nuit qui existent. Il y a des bébés qui sont extrêmement sensibles, d'accord? Il y a des bébés qui ont cette sensibilité sensorielle et du coup tout ce qui va concerner leur toucher va potentiellement les réveiller. Donc une couche trempée, oui, c'est quelque chose qui va les réveiller en pleine nuit. Et enfin, notre septième raison atypique concerne tout simplement la lumière. Et attends, je veux que tu écoutes ça jusqu'à la fin, d'accord? Les réveils nocturnes, que tu vas remarquer qu'en fait, bébé se réveille alors que tu n'es pas encore couché, alors que papa n'est pas encore couché, ou à l'inverse, des réveils matinaux où papa ou maman sont déjà levés, sont souvent en lien avec la lumière. Bébé voit la lumière sous sa porte, il voit en fait qu'il y a quelque chose qui se passe à côté, et en fait, il est réveillé par cette fameuse lumière. Donc, c'est aussi une piste à explorer pour les réveils, du coup, en début de nuit, les réveils qui ont lieu alors que tu n'est pas couché. Pour ces réveils-là, comme je le dis toujours, on veillera notamment à essayer de mettre quelque chose sous la porte de bébé pour vraiment faire en sorte que la lumière qu'il peut y avoir dans le couloir ou dans les pièces d'à côté ne rentre pas dans sa chambre et ne le réveille pas. Alors voici pour ces 7 raisons un petit peu atypiques qui font que ton bébé se réveille potentiellement la nuit. Si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet des réveils nocturnes, sache que je te mets juste en bas le lien d'un atelier que j'ai gratuit justement sur comment réduire, voire supprimer les réveils nocturnes de ton bébé. Et là tu vas voir, on va vraiment rentrer dans le détail. Bon, je te dis à très bientôt et je te fais des bisous.